Alichas, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour la première vidéo d'une série de vidéos dont j'avais parlé par rapport à mes 10 ans d'activité. Donc une série de vidéos que j'ai pensées qui vont faire la synthèse finalement, un petit peu, de tout ce que j'ai vu, compris, appris au bout de 10 ans d'expérience de montage de clubs sur mesure, au contact de, je pense, de centaines de golfeurs de tous horizons. Tout gabarit, toute morphologie, tout niveau. Et la première de ces vidéos m'a semblé comme une évidence parce que elle touche à tant de secteurs, elle touche tant au fitting qu'au making. C'est la notion de longueur des clubs. Et en y réfléchissant tout à l'heure, je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai qu'il y a plein de choses à raconter par rapport à ça. Si l'on commence à aller sur les terrains des fers à taille constante, si l'on pense aux extrêmes très important que sont les wedges et les bois, le driver, on va en parler. Je pense évidemment, bien sûr, à chaque golfeur dont le cas est très particulier et qui vont très souvent imposer des choix de longueur de club particuliers, sur mesure. Et c'est souvent le point de départ. C'est souvent le point de départ de ma réflexion d'une série de clubs. C'est la longueur la plus adaptée au golfeur ou à la golfeuse. Je vais vous prendre, tiens, en introduction comme ça, pas plus tard que ce matin, pas plus tard que ce matin, un golfeur qui est venu avec des wedges, un golfeur que j'avais vu, un golfeur que j'avais vu pour ses fers, des fers que j'ai montés ensuite avec pas mal de poids en tête. Et puis il m'a rappelé, il m'a dit, écoute Arnaud, j'aime beaucoup cette notion de poids en tête, et par contre mes wedges, je les sens pas du tout. Voilà, donc. Bon, il me les a amenés à l'atelier, et effectivement, j'ai tout de suite compris. C'est-à-dire que ces trois wedges, achetés d'occasion, avaient été raccourcis, même pas la longueur standard de wedge pour femme. Donc là, je lui ai dit, oui, je comprends mieux pourquoi tu sens pas le poids de tes têtes, puisque ces clubs sont beaucoup trop raccourcis. Donc voilà, donc j'ai été amené à lui changer les shafts, changer les grips, changer l'équilibrage. Il repart. Avec trois wedges, pas comme neuf, mais en tout cas qui sont désormais parfaitement équilibrés et à la bonne longueur pour lui. Premier exemple. Bon, deuxième exemple, je le dis parce que je l'ai sous les yeux, c'est marrant. Deuxième exemple d'une golfeuse qui est venue me voir avec un driver cassé et qui m'a dit, voilà Arnaud, j'ai cassé mon shaft, j'ai cassé le shaft de mon driver. La tête, heureusement, j'ai pu la récupérer. Est-ce que tu peux me le changer? Je lui dis oui, bien sûr, je vais te changer le driver, mais déjà j'aimerais qu'on se voit au practice, te voir taper des balles pour voir quelle longueur choisir pour ce driver. Parce que c'est une golfeuse qui est assez tonique, assez dynamique, mais qui est assez petite, 1m60. Donc voilà, on va, avant de changer le shaft, on va déjà se poser la question de la longueur de son driver. Voilà. Donc, thématique fort intéressante, beaucoup de choses à raconter. À tout de suite, on va changer d'angle pour parler de ça. La vieille règle de chez Goldsmith que je garde, je la trouve superbe en plus, depuis mes débuts. C'est une vieille règle des années, je pense, 90, fin 80, ouais, fin 80. Alors cette règle est vraiment très intéressante parce que elle m'a montré et elle m'a fait beaucoup réfléchir sur l'évolution historique de la longueur des clubs de golf. Bon, je ne vais pas zoomer, je ne peux pas ici, mais quand on regarde cette règle, en fait, on s'aperçoit de deux choix qui ont été faits par les clubs vendus de façon standard en boutique, historiquement. Le premier choix, c'est que quand je regarde ici, parce que les longueurs standards sont données pour l'époque, hein, en fait, on se rend compte que les longueurs des fers n'ont pas évolué depuis les années 80, c'est-à-dire qu'un fer 7 est toujours à 37 pouces. Facile à retenir, fer 7, 37 pouces. Ça, c'est le standard. N'a pas évolué. En revanche, on s'aperçoit que à partir du fer 9, 36 pouces, qui est toujours l'étalon actuel, on s'aperçoit que pitching wedge, sand wedge, le gap wedge n'existait pas à l'époque, hein, pitching wedge, sand wedge et lob wedge sont également à 36 pouces. Autrement dit, à partir du fer 9, taille constante, il ne bougeait pas la longueur des fers. Et puis, si on regarde vers l'extrême opposé, vers les bois, alors on se rend compte que là, au contraire,
ils ont rallongé les bois de façon assez importante, hein. Ici, le standard de l'époque du driver était de 43,5 pouces, qui est, je dirais, presque le standard du bois 3 d'aujourd'hui. Et oui, donc ce qui, mais ça, bon, mes recherches historiques l'ont prouvé, l'ont démontré, hein. À l'époque de même de Ballesteros, dans les années 80, oui, un driver, c'était 43,5 pouces, voire 44. Et on le sait aujourd'hui, d'ailleurs j'ai dû rajouter des chiffres sur mon échelle parce que ça ne rentrait pas. Aujourd'hui, les drivers vendus dans le commerce sont tous au-delà de 45 pouces, voire 46 pouces, hein, pour certains. Bon, le maximum légal autorisé étant de 48 pouces, même s'il y a une petite di discussion actuelle à ce sujet. Mais voilà, à retenir que l'évolution historique des clubs vendus donc pour le grand public a été des bois et des drivers de plus en plus rallongés, et des wedges de plus en plus raccourcis. Bah, c'est curieux parce que toutes mes, quasiment tous mes fittings prouvent qu'en fait, la très grande majorité des golfeurs, je dis bien très grande, hein, attention, il est des cas où on peut rentrer dans ce cadre de figure pour les drivers notamment, mais tous mes fittings et mes recherches ont démontré que la grande majorité des golfeurs ont besoin de drivers et de bois raccourcis, ne dépasse pas en tout cas les 45 pouces. Mon standard à moi, c'est 44,5, 44,75, voilà. Qui est d'ailleurs, au passage, hein, il faut quand même le dire, la longueur moyenne constatée sur le tour, sur le PGA américain, 44,75. Et les golfeurs débutants, moyens, etc., se retrouvent avec des drivers qui font ça, voire ça, plus long que des professionnels. Et puis, de l'autre côté, donc, des wedges, qui à l'époque donc faisaient la même taille qu'un fer 9, et qu'aujourd'hui on retrouve beaucoup plus raccourcis. Et là aussi, je ne comprends pas cette logique. Alors, quand j'ai adapté la réflexion à mon propre cas de figure, qui finalement a déclenché derrière une vraie réflexion, à mon cas de figure, à l'époque, il y a 2 ans, c'était mal de dos, lombaire, etc. Et je suis porté de moins en moins de me pencher sur mes wedges. Donc je me suis dit, Arnaud, rallonge tes wedges, rallonge tes wedges. Et quand j'ai vu cette échelle, en plus, ça m'a un petit peu rassuré. Je me suis dit, bon, ben, finalement, tu as joué des wedges de la taille de ce qui se faisait dans les années 80. Donc, il n'y a pas trop d'incohérence par rapport à ça. Donc, et ça a été spectaculaire. C'est-à-dire une sensation de fluidité, de pouvoir bouger mes épaules bien plus facilement qu'auparavant, parce que j'étais beaucoup moins penché sur la balle. Moins de top, moins de gratte, plus de socket, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un point très important de comprendre l'évolution historique et de se poser la question, pourquoi les fabricants ont fait ça? Alors, pourquoi les fabricants ont-ils, proposent-ils aujourd'hui des drivers ultra rallongés? Réponse est simple, c'est vraiment la bataille de la vitesse de club, du swing speed. C'est-à-dire que effectivement, quand on regarde les publicités de toutes les grandes marques, chaque année, plus de vitesse. Bon, donc c'est sûr que un des ingrédients clés pour gagner de la vitesse, c'est le rayon. C'est d'augmenter le rayon, donc on augmente la longueur du driver. Bon, pourquoi pas? Et ça, j'ai pu le mesurer aussi. Bon, je mesure tout de toute façon. J'ai pu le mesurer, j'ai pu le constater. Je peux vous garantir qu'effectivement, entre un driver qui ferait cette longueur et un driver qui ferait donc à peu près un pouce de moins, 2 miles à l'heure. 3 miles à l'heure selon les golfeurs. Bon. Donc sur le papier, en théorie, oui, ça va générer 5, 6, voire 7 mètres de gain en carry. C'est beaucoup, hein, c'est pas mal. Et quand on pose la question à Arnaud, quelle est la longueur idéale d'un driver, ben je dis, tout dépend de la capacité du golfeur de centrer sa balle sur une phase de driver. C'est ça la clé. Je veux dire, moi j'ai rien contre, hein, proposer des drivers à 46, 47, 48 pouces. Si le golf, si et seulement si le golfeur est capable de centrer sa balle. Et j'ai eu des cas comme ça. J'ai eu des cas comme ça. Je me souviens d'un senior, une horloge, qui centrait parfaitement sa balle, tempo très fluide, etc. Aucun problème. Driver à 46 pouces. Il a pu générer quelques miles de vitesse de club supplémentaire. Mais pour la grande majorité des golfeurs, qu'est-ce qu'on constate? Quand je reçois des drivers à l'atelier, j'en ai pas là ici. Mais qu'est-ce que je constate? Je constate
une dispersion des coûts spectaculaire, hein, sans parler des impacts ici au-dessus sur la couronne, symptomatique d'un chemin de club extérieur, de balles coupées, de par-dessus, etc., qui font perdre énormément de distance, sans parler des slices, etc. Donc, pour ces golfeurs-là, finalement, le discours que je leur tiens est toujours le même. Monsieur, madame, qu'est-ce que vous préférez ? Gagner 2 ou 3 miles à l'heure avec un driver rallongé ? Ou est-ce que vous préférez centrer mieux la balle, et du coup, ce que vous allez perdre en vitesse de club, vous allez le gagner en vitesse de balle, en smash factor. Et il n'y a pas photo. Entre les 6 mètres éventuels de gain sur un driver allongé, ou les 15 à 20 mètres de gain sur une balle frappée au centre, à réfléchir. Sans parler du fait qu'une balle centrée au centre aura beaucoup moins d'effets latéraux, slice, hook, une balle tapée en pointe, au talon, etc. Voilà. Donc, voilà ma réflexion. Et là, elle ne changera plus. Enfin, je veux dire, c'est évident. J'en ai vu passer des centaines dans ce cas de figure. Donc, ça, c'est intéressant. Et si on va au bout de la réflexion aussi, je parlais des pros, même des pros qui... Ricky Fowler, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais il y a 2 ans, Ricky Fowler, qui n'est quand même pas le moins bon frappeur du circuit, il avait un driver de 43,75 pouces. Voilà, Sergio Garcia, 44-25, Tiger Woods, très longtemps, puis lui, c'est un traditionnaliste, on le sait, hein. Il a eu un driver à 44,5, donc voilà des joueurs qui, de toute façon, n'ont aucun problème de puissance, mais qui ont bien compris que le centrage de balle était la clé du succès, pour trouver le fairway. Donc, voilà pour cette notion de longueur de driver, et puis sur les wedges, là, mon verdict aussi, personnellement, est fait. Bon, je veux dire, bon, là, je crois que ça fera partie des choses que je dirai au cours de ces vidéos sur tout ce que j'ai appris en 10 ans. Une des choses que j'ai appris, c'est que rien n'est gravé dans le marbre. Voilà, c'est un métier, c'est pas une science absolue. Chaque golfeur est unique, il faut s'interroger à chaque visite, à chaque fitting de golfeur. Mais, parmi les choses quand même que j'ai établies, c'est que les wedges, et aujourd'hui on a 2, 3, parfois 4 wedges dans son sac, pourquoi avoir des wedges de longueur décroissante, avec des équilibrages différents, ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aujourd'hui aucun sens. Ça fait partie des choses, j'ai pas peur de le dire, gravées dans le marbre. Désormais, à moins qu'on me le demande, moi je vais systématiquement proposer des wedges qui seront tous à la même taille et qui seront rallongés 9 fois sur 10 par rapport à ce qui se vend dans le grand public et qui seront équilibrés de la même façon. Voilà. Et qui seront juste en dessous du pitching wedge, qui lui-même sera très près du fer neuf, voire parfois à la même longueur du fer neuf, si je peux le faire, hein, parce qu'après ça dépend aussi du poids des têtes. Voilà, donc autre débat, hein. Je vais arrêter là, parce que sinon je vais y passer beaucoup trop de temps. Mais voilà l'évolution historique, les deux extrêmes, quelque chose d'assez frappant, et je trouve de très intéressant pour la réflexion. À suivre.